Eh bien, salut à tous, c'est The Seb. Aujourd'hui, on se trouve sur Family Theater 19 pour l'épisode 2 donc de la série Polak. Comme vous l'avez vu, voilà. À l'épisode 1, j'avais prévu qu'il y aurait du bon matériel. Voilà, ça reste Polak, c'est du matériel. Voilà. On est en compagnie, bien évidemment, vous l'avez entendu, de Pierre. Yes, salut. De Maxime. Salut. Et de Louis. Salut. Donc voilà, on est sur la map Ozina. Je me suis pas trouvé pour une fois. Alors, nous allons présenter les ensembles tout de même. Celui-là, c'est de l'esthétique, hein, parce que alors, si vous voulez, il lève un peu trop pour pas l'utiliser. Voilà, c'est un beau zetter. Alors voilà, la machine de guerre dont je vous parlais dans l'épisode précédent, ouais, c'est, montré, c'est le tracteur de la ferme, le plus gros en fait, hein, tout simplement. Ouais, 118 chevaux, les gars. 118 chevaux, voilà, on est dans le maximum. Vas-y, détaille-le l'autre, tu vas voir. C'est pas la pète, lui. Non, en même temps, vu les roues qu'il a, si tu veux. Ouais, non, là, il craint rien, lui. Hein. Cette année, pour semer, ça aurait été pratique. Hein. Sinon, on a le tracteur à Maxime. Ah oui. Avec. Alors, attention, est-ce que tu peux me montrer les rétros, s'il te plaît? Ah oui, attends, j'arrive. J'ai hâte. J'ai acheté de la qualité quand même. Il a pris le pack GT Line, attention, hop, voilà, les rétros sont voilà. Derrière le conducteur. Si tu veux monter et regarder, tu vraiment t'as mal à la tête pour regarder les rétros. Tu veux regarder les rétros, hop, tu te tournes jusqu'à là. Hein. Tac, alors est-ce que tu vas bien dedans? Non. Tac, à un moment tu dis, ouais, c'est bon, j'en ai marre des rétros. Je sais pas comment les enlève par contre. X. J'en ai marre des rétros, hop. On les replie, hein. Direct, hein. Attends, bon, côté, hein. En tout cas, ouais, faut prendre deux. On est parti, hein, quand même, parce que j'ai deux minutes. C'est qui part? Ah oui. Non, mais c'est le saumon qu'il faut remplir par contre, non? Bah oui, mais attends, ça va venir. C'est que en fait, le saumon est tellement haut que ça c'est galère. Ah merci. Ah attends, pas... apparemment, il y en a qui est pressé, hein. Ah dame. On est parti, hein. Oui, le chariot se baisse, non, moi je touche à rien. Ouais, pourquoi le chariot se baisse? Non, je touche à rien. Vraiment, c'est. Voilà, cette Maxime ferme, a toujours des soucis d'ordinateur, hein, vous allez bien. Yeah, voilà. Ordinateur, là. Ah, par contre, j'avais pas vu le plafond du tracteur, c'est même plus un plafond en fait, c'est. Waouh, ouais. Ça fait mal aux yeux, hein. C'est assez toxique. Hein. Hop. C'est fait exprès. C'est vrai que toi, si tu veux des maladies, tout ça, bah, tu as touché le plafond, ça y est, hein, t'en as 10. Ouais, c'est ça. Mais par contre, voilà. T'as le couille, mais par contre, attention, regardez couille. Celui-là, ne soulève pas. C'est quand même. Ouais. On y va, c'est quand même. Go. Ouais. Montre-toi, s'il te plaît. Voilà. Tout va bien. Excusez-moi. Non, mais. Aucun souci, je comprends. Allez. Que... Ah, on est parti. Zou. Hop, par contre, j'ai pas de frein. Hein. Alors, demandez pas de frein. Est-ce qu'il y a eu un jour des. Des freins dessus. Ah, il a des feux stop, quoi, son tracteur, la chance. Par contre, Louis, du coup, la charrue, non? Ouais, t'inquiète. Ouais, Louis, il. Hop, ouais. Hein. Ouh. Alors, par contre, c'est un peu compliqué pour tourner, je vous avoue. Hop, et fini dans c'est le bon, décor. On est parti. On va au champ numéro 6, hein, si je me trompe pas. Je vais aller chercher la charrue. Ah. Attends, parce qu'avance, avance, il y a le tank. Avance. Il va nous. Voilà, au premier des vidéos, du coup, bah, je l'ai pas dit, mais semi et la bourre, bien évidemment. Ouais, je pense comme j'avais dit dans l'épisode. Ouais, ouais, hein, on fait une petite vidéo de 10-15 minutes, voilà, on va s'amuser, on va. On va dialoguer. Ozina, j'aime bien cette map, tu vois, les Polak, mais moi j'aime bien. Je sais pas, le décor et tout, je trouve ça sympa. Ouais, elle est propre. Ah, bon, j'ai un peu de mal à tourner, je vous avoue que ça lève quand même. Hein. J'ai beau avoir des. Ah là, oui, ça est. Les ouf. Ouais, c'est un peu compliqué pour tourner quand même. Ok. Ouais, on commence comme ça, oh Zouzou. Ah ouais, tu fais ça. Le voisin a une belle maison quand même. Hein. C'est tout de même. Mais bon, il y en a qui ont les moyens, hein, je vois bien. Ah là là. Alors, oula, ça soulève. Oula là, il y a des trous de boss là, par contre. Qu'est-ce qu'on a? Oula, ouais, qu'est-ce qu'il a lui hein. Effectivement, c'est vraiment le mode nuit hein, quand tu prends le. Ah oui, ah bah l'autre, c'est mode nuit. Non, c'est mode nuit, oui, c'est. Non mais. En fait, je pense qu'ils ont mis. Là, contre, ils ont intérêt que. Non, vitre teintée, hein, c'est. Vitre teintée, c'est pour le soleil, non, c'est contre le soleil, mais le problème, c'est quand il fait nuit, je pense que du coup, tu vois rien du tout. Ah bah, tu vois rien, oui, c'est. Dit... Oula, après, ouais, j'ai mis en route attends le. Attends que lui, il passe. Ouais. Ah bah, j'ai mis en route tout là, je vous avoue que le tracteur. Oula! Oh bah ça y est, j'ai une crevasse. Elle bulle. Oh bah je suis déjà parti dans une crevasse. Alpanzer il est en difficulté là les gars.
Bon, ça fait plus de 34, je pense, plus. Ça y est. Alors, la technique du attaché, ça marche toujours. Tout le monde l'a fait. Y'a rien de plus sur Fermi, tout le monde l'a fait, c'est obligé. Ah, moi, ce que je propose, par contre, c'est que je prenne du coup en descente. Parce qu'on est tous aussi en montée. Je suis en train de me rendre compte que ça va être un peu compliqué en montée. Comment ça se fait? Alors, je vous avoue qu'il y aura peut-être un petit passage où il y aura, on va faire une petite coupure de vidéo où je vais jouer avec tracteur quand même. Parce que là, je sens que ça va être compliqué. Ah, c'est très compliqué là. Et il monte pas? Bah, il a très beaucoup de mal. Hein. Déjà, je vais monter rien que sans de la lumière, c'est compliqué. Non, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de poids à l'avant en fait. Tout simplement. C'est le même problème. Bah, oui, c'est pas de relevage à l'avant. Ça, mais je voulais prendre le semoir, vous avez pas voulu. Voilà. Attends, on va attendre un petit peu. On va le boire à trois coups de coude. Oh là là. Est-ce que je vous prends une charrue? Non mais toi t'as un souci avec le smart et tu veux leur filer quelqu'un? Non, non, alors c'est pas du tout mon genre. Non mais ça va pas être bien. Tiens, mais qu'est-ce que tu fais à tout hasard? Hein? Non mais quel enculé, putain. À tout hasard, je vois que tu fais en ce moment même là. On se met à combien? Bon, avance à fond. Hein. Ah bah moi je suis qu'à 15. Hein. Ouais, moi aussi. Ah, moi aussi, t'inquiète. Ta-ta-ta. Ça c'est bon. S'il vous plaît. Vous voyez le calepin là qui court? Ah non, ouais, je suis en difficulté, c'est pas gentil. Mais il y a mais sinon tu dételles le. Bah si tu veux, tu peux le mettre sur mon tracteur. Ah ouais, non, c'est pas la meilleure. Non, mais tu devant et tout. Ben le déchômeur dans le champ là, on va chercher. Ah ouais, mais directement. Oui, bah oui, parce que oui. Alors, vous ne verrez rien dans la vidéo, bien évidemment, tout se fait ça dans l'anonymat. Hop, je vais me mettre. Fermez les yeux. Sur le champ d'à côté. Et en vrai c'est propre. Ah oui, ça avance. C'est propre, ouais. Ça ouette. On va faire ça propre parce que là, c'est pas. Et l'autre avec ses ailes de déplié là. C'est vrai que c'est carrément des ailes, à mon avis là. Hop, voilà, je mets ça là. Ah, je suis bloqué. Alors ça, c'est chiant. Alors il est faussé en. L'eau, rien à foutre lui. Hein. Ouais, je pense que ça va être mieux. Hop. Bah, l'avantage avec des roues comme ça, c'est qu'au moins tu crèves pas, quoi. Y a pas de soucis, pas de crevaison, rien. Ah bah là, puis tu peux pas. Tu refais les routes, hein. Tu refais les routes, hein. À tout moment. Ah bah là. Et en vrai, on avance vite, nous, avec notre. Mais oui, le champ, il est presque torché. Putain, on avance vite. Ah, heureusement qu'on en a deux à faire. Ouais. Alors, je commence par la bonne mauvaise nouvelle. C'est que j'avance à rien. Je suis à 2 km/h. Ah oui. 2 km/h. C'est compliqué. Ah, moi je propose qu'on échange, hein, d'accord. Oui, bah Louis il est sur un système d'échange. Oui, on échange, s'il te plaît. Pourquoi toujours moi? Parce que lui. Parce que t'es le dernier. Parce que t'es le dernier, voilà, le plus jeune, c'est maltraité, c'est comme ça. C'est honteux. C'est grave. Allez, lui, t'es plus jeune, voilà, faut céder ta place. Bon, bah, je termine la descente et puis j'arrive. Ouais. Faut me là, toi, avec tes rétros, là, tu vas t'envoler, là. Là, vu comment c'est parti. Donc voilà, petit mode. Alors, dites-moi dans les commentaires si je veux mettre en DL. Je sais pas si c'est vraiment utile. Vous utilisez ça. Je pense que c'est uniquement PC, hein. C'est pas trop console. Votre console. Votre console. Voilà. Console. Ça, c'est pas accès. Oh. Ça, c'est pas accès sur le modem. Hein. Merci. C'est les vapeurs de. Les vapeurs, c'est fort gentil à toi, lui, de penser à moi. Oula, bah, j'ai pas laissé la charrue. Hein, en tout moment. Ah oui, bah, super ça. Putain, voilà, t'as niqué le truc. Je veux pas dire, mais Louis, il était toujours derrière, il était toujours au taquet, et toi, t'arrives, tu. Ah non, mais. Voilà. Tu casses pas, et puis là, il arrive, il casse tout. C'est normal, ça va aussi vite quand même. Tu sais, on gratte à 2 cm, c'est pas très dur. Je veux dire que moi, j'ai pas très chaud, hein. Ouais. Ah, bah, ouais. T'as pas la clim? Ah, si, t'as la clim, mais ça va chaud. Ah, bah, si. La cabine, ça coûte. En fait, c'est soit la cabine, soit les rétros. Ah oui. T'avais le choix, hein, mais bon. Ouais, et puis sur la cabine, il y avait des rétros, j'ai choisi les rétros. Je crois que je patine, hein. Je t'autorise exceptionnellement, petit Louis, à prendre le John Deere qu'on avait acheté. Oh, c'est beau. Bah, ou prends le Zetor avec un tracteur, voilà. Ou le Zetor. C'est quand même. Il y a le Zetor avec la fourche, là. C'est lui qui a mis après. Ah, peut-être aller prendre. Quand vous dites que vous faites de la cheval, mais vous le faites proprement. Non, parce que franchement, vu les écarts qu'il y a, c'est censé être droit. Il n'y a pas d'écart. Enfin, de quoi là, tu parles. On part sur un cercle. Hein. On part sur un. Eh ben quoi, le. Mais attendez-moi là, j'arrive. Oh putain, faut pas l'attendre, les petits os. Comment on tourne?
Ah mais bah, ça se tourne pas, c'est une charrue à planche. Hello. Oh là là. Ouvre les yeux, Seb. On est vraiment là, Seb. Oh là là. Pas vraiment moderne. Putain, mais ça ouate vos machins en vrai. Ouais, bah on a bientôt fini le short, donc regarde, regarde. Faut qu'on va finir en vidéo, vous voyez. Putain, mais 25 en vitesse de pointe, c'est du foutage de gueule sans déconner. Nous on va plus vite. Putain, mais je m'attendais, je me suis dit, ça se trouve, ça va, en fait, c'est juste le machin, le point c'est est bien, parce que je pense que quand t'es derrière Maxime, ce qui est bien, c'est que tu te vois dans le rétro au cave en télé. Tu veux se faire des petits coucous et tout, il te voit, quoi. C'est ça. Par contre, lui-même te voit pas, mais c'est pas grave, c'est. Ah bah oui, non. Les rétros, c'est pour ceux qui est derrière, pas pour toi. Ouais, Max, essaye d'aller à bras près droit, s'il te plaît. Ah oui, pardon, oui. Énorme écart, là. Ouais, Maxime, c'est les rétros, ça. Il voit pas l'arrêt derrière, il voit rien, alors. Putain, j'avoue que t'es moins chien. Ouais. Derrière, ah, ça... moi, je vous avoue que c'est pas mieux, j'ai les rideaux. Alors, je ne vois rien. Me demandez pas. Ouais, bah, vous prenez pas, moi, j'ai le plafond un peu dégueu, hein. Oui, non, toi, il y a un champignon toxique. Non, mais j'ai le typhus dans ma cabine, hein, calmez-vous. Ah, mais regardez cette technique de retournement, là. Hop, là, petit contournement là. Hello, Pierre, t'inquiète. Il a rien vu le chef, il a rien vu, roule. Ah bah le chef, de toute façon il voit plus rien, il a les rideaux, alors il voit rien. Il est trop tard, il aurait pu être le GPS quand même, hein. Ouais. Bon bah tu crois vraiment qu'il y a le GPS sur ces machins-là? On attend toujours le tuto d'ailleurs. Eh non mais n'empêche que moi, je tiens à dire quand même, je me suis dit, non mais en vidéo j'aurais dit mais les gars ça va jamais le faire le choix en vidéo. Ça va être beaucoup trop long la charrue, mais en fait pas du tout. Parce qu'on avance à peu près 15-20 km/h quoi. Genre logique. Attends, genre... T'as vu la gueule de la charrue toi? C'est 10 corps par aller-retour, ça ouate. Hein. Ah, ça ouate, hein, c'est vrai. Je vais faire 10 corps, on est 3, il y a 5 corps. Bon, l'avantage, c'est qu'au moins, petit lui, il sera toujours pas. On aura toujours pas commencé à semer que nous, on aura fini le champ. Le temps de faire l'aller-retour, d'aller chercher le sector, machin. C'est. Voilà, c'est compliqué. D'ailleurs, je remercie. Avoir, hein. D'ailleurs, j'ai pas refait dans l'épisode 1, mais je remercie petit lui quand même. Et ouais, bah, merci, petit lui. Ouais, merci. Et bonne année au passage. Tout préparé. Ouais, on a quand même tout préparé, qu'on trouvait tous les modes, qu'on prépare la partie de A à Z. Donc voilà, merci quand même. Bon, on est les meilleurs. Quoi. Enfin, surtout lui, parce que moi j'ai pas fait grand chose. Ouais. Bah, merci à Tubu. Ouais. Bah, on les remercie pas assez, hein, même s'ils sont un peu bras cassés. Bon, bah. On fait avec quoi, je veux dire. Ah là là, on fait avec, ouais. Par contre, il lève pas vite, hein, le. Bah moi il lève pas, comme ça c'est plus ça. C'est à dire que je suis Bah moi j'avance pas, hein. Vous avez de la chance déjà. Ah, ce qui est l'avantage c'est que vu que c'est en planche, on va leur faire les fourrières du même côté que ça va être ça. Hop là, hein. Ah bah les fourrières c'est du même côté. On se dépêche Pierre, on se dépêche. Oui bah t'es gentil mais Eh oh ma charrue. Non attends, tant pis. Voilà. Allez hop. Et ben voilà, on aura fait une bonne petite vidéo. Yes, je me serais bien amusé. Hein. Ouais, et l'autre il aura pensé à l'hectare. J'ai remercié lui aussi, voilà. Bah, t'es plus jeune aussi. Content. Tu sais, souvent c'est. Tu peux demander, hein, même aux abonnés, tu peux leur demander. De toute façon, souvent c'est le plus jeune qui se fait maltraiter, c'est comme ça. C'est... Ah, mais tout le temps. C'est la vie, mais après à ton tour, quand tu seras plus grand, tu seras plus jeune. Je suis le plus jeune, mais je suis quand même le plus vieux qui est là depuis ici. J'ai cru que d'ailleurs, je suis plus jeune, mais je suis plus intelligent. Non, mais. T'as un petit problème d'élocution. Il est jeune, dyslexique, bah qu'est-ce que vous voulez, on peut pas tout avoir. T'inquiète-toi. Attends, je ne suis plus vieux. Ah, parce que vous savez, l'orthographe et tout ça, c'est compliqué. Ouais, c'est ça. Ils ont l'école là-bas. Non, ils ont pas d'école. Vas-y, Max, on est qui? Allez, vas-y. Allez, Zou. Ah, parce que là, ils ont intégré un truc, ça s'appelle l'autonomie, et du coup, ils font tous les cours en autonomie tout seuls, mais du coup, bah voilà le résultat. Ah, oh, c'est vrai, c'est ça. N'empêche, je suis plus voilà, team, hein. Bientôt, on va s'arrêter. Ah oui. De quoi de la team? J'ai pas entendu là, tu es mal. Je suis quand même le plus vieux de la team. Ouais, c'est possible. Ah, je suis pas bah, ça fait plus longtemps que je suis là, quoi. Voilà, c'est ça. Oui, en ancienneté, je l'accorde. C'est oui, parce que sinon... C'est lui, ça fait combien de temps? Ça doit peut-être faire 4 ans, en vrai. 4-5 ans. 4-5 ans au moins, c'est sûr. Oh, c'est beau. Voilà. Ouais. Ça fait, de toute façon, vous savez, vous l'avez vu sur mes présentes vidéos, je pense qu'il était même là déjà à l'époque du 15. Ouais. Du 15, il était déjà là, donc. Voilà. Genre la ferme du pain, etc. Ah, pas jusque là non plus, hein. Faut pas remonter trop en arrière pain, non plus. Ah non, j'étais pas là. Ah, je crois. T'es arrivé par là en tout cas. Ouais, dans ces années-là. Ouais, voilà. J'ai du matos de retourner, hein. Je suis le tracteur en tracteur, je fais. Ouh, ça se retourne. Non, faut pas.
Oh, il est là, c'est lui, il s'aime. Vas-y, il a commencé. Laisse sa boîte. Ouais. Viens voir avec moi. Bon, sur ce, les amis, je vous dis à une prochaine, tout le monde. Peut-être à l'épisode 3, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous faites? C'est ça, l'enculé. Regardez-les. Oh, les bâtards. Non, ok, c'est bon. Vous voyez, ça, c'est la rentabilité. Ça c'est ce qu'on aime. Ah non, le pauvre, il vient de commencer le chant et on l'abonde derrière, le pauvre. Non mais c'est pour un télé plus profond, tu comprends. Le pauvre. En tout cas, merci à tous de me suivre. Ouais. N'hésitez pas à lâcher le petit like. Par contre, c'est en train de partir en deux. Je regarde. Hop, voilà. Je suis pas là-dedans. Hein. On se dit peut-être à l'épisode 3. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît. À l'épisode 3, ça me dirait. Non. Et puis, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Merci à tous. Salut. Ciao, ciao.